سن اللي مرد الزيار هي سليان تبسو تبركات فوند يركز التلوين هي وكذا عقدر خطي البطول خطي الموت هلو رسا غايت مثل سي جورني دو كوميموراسيا الساقيد سفاكور هاد البكار يركز لنا هاد البكار دولاوي لنا هاد البكار ولي ساكريفيين هاد البكار واحد ربي سعود هاد البكار دار مول المعمار هاد البكار دار والناس ينسي المرة هاد البكار اللي مرتينا هاد البكار يركز للرحم يقدش راسا اللي داقي لنا هاد البكار ولي كيتلاهين سيدات أرض مزير هاد البكار ولي كيلحون بالحق السميد الوعيد بدن الناس الموالين تمازيغ في لاقاتيليو أكلت الله أكل إلاقي المرض للزيار ما تب شان جنزار قزل عادي ما تب تصير كل حاجة راح يرفسنا كنا كيف تقال الماتش أصلا ما تقال الماتش ما تقال الماتش c'est un devoir pour nous de venir ici visiter la tombe de Matoub et ça sera pas la première fois car pour nous Matoub il est toujours là il est toujours avec nous il est toujours vivant nous savons que Matoub a été assassiné mais qu'ils ne pourront jamais le faire taire Ici c'est la demeure de Matoub qu'on a transformé en sa fondation puisque lui il a toujours voulu que sa maison devienne une propriété de tous les Kabyles, de tout le peuple amazir, de tout le peuple algérien. Aujourd'hui, le Maghreb c'est une fête religieuse, c'est Ashura, c'est comme on le dit en arabe, c'est Ashura, mais les gens ils nous viennent. Parce que vous savez, aujourd'hui Matoub il symbolise tout en Kabyle. Il symbolise la religion, il symbolise l'enfort, il symbolise la résistance et l'honnêteté. اسمي دي طول خبر اللي وصل الناس نبدا ورزري هذا في لي في سر صغيرني ورزري تيمس ورزري غاني عند اللي قيم غالقا مين يفض الخبر هذه دي اني دو دقوالي ولا الناس يبدي السي الطاد قويدي الناس يموت نتا نادي ابليس يمكن الناس يموت الطاد قويك الصوت غير نوسف لو كان فيه خزان غار تلفزيون ولا غتعدين ماماش تيزي وزو لا طرا اشو تحسو ضرايي دير ام تجرا نو نبدو يخصنا مان و تسارا يغلي الورقي وغلقا يبد كان وصغرا ايه ضرايي دير خطر لو الناس بدي سينك في الناس الغاشي خليك يماس الخميس الجديد
وحدس أمانة لن وراو تقبيليت يا مريس يسن وخان يا مر وجس الفراني النظاني دي تسن أخميش تجور يا مر يوم أنا ثم ديت سغي مرتين نكاكد لا فوتو ثم ديت ذيال نكاكد لا فوتو بدوزان نكاكد الغاشي ذيال نكاكد لا فوتو ولاش ويلاقنا هذي حس أمنك يوم أنا أربي يتكد الكوراج يتكد العقل غوري العقل غوري الكوراج يعني إلا ذكذا من النار فين تناصليث نبغى تقبيليث Le travail de la Fondation Matoub, c'est d'avoir une vérité sur la scène de Matoub. Parce qu'une vérité sur la scène de Matoub va déclencher d'autres vérités, comme la vérité sur la scène de Boudiaf, la vérité sur la scène de plusieurs journalistes, de plusieurs figures politiques en Algérie. En assassinant Matoub, c'est toute une identité qu'ils ont assassinée. Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, Matoub dérange plus que quand il était en vie. Aujourd'hui, les paroles de Matoub se propagent. Aujourd'hui, il y a des communautés arabophones, ici en Algérie, qui vous disent que Matoub, c'est un homme, après tout. Matoub vous dit dans ses poèmes, « À mes frères, à l'Algérie entière, aux montagnes du Jura, jusqu'au fin fond du désert, montrons notre courroux, montrons que nous nous aimons, sans porter à notre conscience, mais porter un coup fatal, décisif, à ces soi-disant opposants, à ces fainéants de la nation qui se pavent dans les salons de l'Occident et qui nous emboucle debout de désillusions, et à ces gens sans entente qui s'aiment à trouiller la honte sur cette terre prospère, très chère, où beaucoup de mères ont souffert. Donc Matoub, c'est plus un membre unificateur que diviseur. Si Smith, soit une idée, soit une mazel, c'est une manière de faire que tu mortes le travail. Matoub qui a toujours dit, et il dit Dieu le vent, je dirais Jamal, il voyait la tête d'elfe. Donc je vais essayer de l'expliquer, c'est un petit peu très profond, mais je vais essayer de l'expliquer, c'est que ce que mon père m'a laissé, je vais laisser pour les autres, pour les miens. Et les miens de Matoub, c'est bien les Kabyles, c'est bien le peuple de la Kabylie, c'est bien le peuple de l'Algérie. دان فصار لا ما تنطار قليل ويت زقال تلو فال الداق ثقت ميرسي تو غلا لذ الدو تم الموجا مذن كنين سماح ولاش عن غنى غراش أبرار جرجار يكفى نبذا يهودنا خميوة Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit.
لكن ورديتي خير من الزمان. لو كانوا لي وداعي طول هاد جرغ داخل الجنون، لكن ورديتي حسي صغر الزمان. يمس الصورة بجنون لابد أزد جنون يمر السجان رمان. طمزي وخلص غوني وردوغاو كسميني مولاني ومحنين كل سرماو لمحنا تنجر يغسيو وقبل درس المثيو هاين ياو يجمع وليو السيلسيو. Moi je suis vraiment convaincu qu'il y aura un grand changement en Afrique du Nord. Et très bientôt même, ce sera dans notre génération, moi je suis vraiment convaincu, parce que nous avons affaire, les gouvernants aujourd'hui ont affaire à une génération qui n'a pas vécu la période de colonisation. Nous sommes dans des états indépendants. On ne comprendra jamais, jamais pourquoi il y a répression, pourquoi il n'y a pas de démocratie. Ça, ils ne pourront pas nous l'expliquer. Avant, les générations passées pouvaient leur dire parce qu'il y a la France, parce qu'il y a la colonisation, parce que c'est comme ça, parce que ce n'est pas nous, ils sont en haut. Mais maintenant, c'est comme c'est des Algériens qui gouvernent en Algérie, c'est des Tunisiens qui gouvernent en Tunisie, c'est des Marocains qui gouvernent au Maroc. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de démocratie pour cet peuple. On a un peuple qui mérite, on a un peuple qui a ses repères, on a un peuple brave. Et tant qu'il y a tout ça, la haine et le mal n'auront jamais de prise. Et je repense surtout à ces petits pauvres malheureux qui souffrent dans leur petit coin, qui ne demandent qu'à être guéris, qui ne demandent que leur petit droit d'homme libre, d'homme tout court. Et qui malheureusement sont piétinés de jour le jour. Mais l'espoir existe parce qu'on sait comment le creuser au fond de nous-mêmes. Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs de la démocratie et à la mémoire de tous les martyrs de la Kabylie. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.